comme souvent dans l'IMSA et les 12 heures de Sebring. Ce n'est que les derniers moments d'une course extrêmement animée et ponctuée de nombreuses interruptions pour connaître l'équipage victorieux. Les accidents se sont en effet multipliés et de nombreux prétendants à la victoire dans la classification générale ont disparu en fonction des événements. Mind. Il a été contraint de retourner dans les tribunes à cause d'un moteur fumeur. Un peu plus d'une heure et demie terme. C'est course Tige Meyer qui vu ses chances voler même temps que roue arrière gauche Tom Blomqvist. Était détaché la cour à RX 06, 60, BMW. Qui fait grand les progrès depuis les 24 heures, Daytona malgré un abandon précoce du N-24. Espérait toucher le jackpot récupérant tête course jaune course. Mais le N-25 fabricant allemand était pris difficulté lors traversée Elstand. Sprint final pour la victoire Cadillac, le N31 Whelan Engineering. Acura, le N10 de Wayne Taylor Racing Andretti Autosport et Porsche sont N6 et N7 pourraient tous espérer gagner au début la dernière demi-heure. Tandis que la nuit floridienne était tombée. Dans la énième récupération des courses, Jack Aitken a ouvert la route devant Mathieu Jaminet et Philippe Albuquerque. Le Britannique a cédé face aux assauts des Français puis du Portugais. Une magnifique bataille de trois fronts en ligne droite d'arrivée. Acura et Porsche éliminent. Cadillac est essentiel, c'est alors que cette édition des 12 heures de Sebring est entrée dans une autre dimension. Philippe Albuquerque essayait son polyvalent sur Jaminet dans la circulation. Mais les deux pilotes se sont touchés et les Portugais se sont retrouvés dans l'herbe. L'Acura a traversé piste pour entrer dans la tête. Porsche, Nasser, à l'avant-garde, n'a pas pu éviter W.T. Tretti et les trois premiers sont restés sur tuiles. Cadillac N-31 Jack Aitken, Pipo Derani Alexander Sims, une partie du poteau, se sont rétablis à première place devant la BMW N-25 par Sheldon van der Linde. Nick Yeloli et Connor de Filippi, trouvés à troisième place du général avec le Tower Motorsport. John Farano, Scott McLaughlin, Kiffin Simpson. La course est partie pendant les cinq dernières minutes. Mais les trois premières positions du général ne changeaient plus. Ses coéquipiers Pfaff Motorsport, Klaus Bochler et Lorenz Vantor.INGTD. C'était BMW M4 GT3 N-1, la course Paul Miller, qui a dépassé Ligne Winner.